Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS. Donc là on est sur Supermarket Simulator, on est sur la vidéo numéro 36. Et donc dans cette vidéo là on va pas acheter de nouvelle licence, on va pas agrandir le magasin, mais on va acheter une quatrième caisse. Pourquoi? Parce qu'on va quand même avoir un peu plus de clients, donc on pourrait les faire partir plus rapidement, donc on va en avoir plus. Ce que je vais faire, je vais acheter la caisse tout de suite. Fourniture. Donc la caisse, ce serait celle-ci. Hein. Je ne me trompe pas de sang. Alors attends, je vais regarder vite fait que je ne me trompe pas. Celle-là. Donc ce serait celle-ci qui fait 500, bien sûr. Hop, voilà. Donc on va la prendre, on va la valider. Hop, on va la poser. Donc à peu près dans le même axe que l'autre. Voilà. Et celle-ci, je vais la fermer en attendant. Donc voilà. Là, on a nos caisses. Directement. Alors on va aller voir un petit peu dans le stockage s'il manque des trucs, on va racheter. Pourquoi? Parce que ben voilà, on va pas ouvrir un magasin comme ça. Donc j'ai vu que le sucre il m'en manquait 2 pour l'instant. Il me manque la farine rouge. Il me manque ça aussi 2. Donc hop, hop. On va y retravailler tout de suite. Alors là, hop, on va mettre ça vite fait, histoire que ça remet un peu dans les magasins. Et on va réouvrir tout de suite, hein, bien sûr. À un moment, bah, s'il n'y a plus, c'est qu'il y en a plus sur les rayons. Si j'arrive à le mettre, normalement, ils vont se mettre à travailler direct. Et bon, allez, regardez, là-bas c'est bon. Et là, il a pris quoi? Il a pris le sucre. Ici, on a quoi là? On a le sel. Et le sel, ça fait un moment que j'en avais pas acheté. Là, je vais en prendre. Allez, 5. C'est des petits trucs. On va en faire 5. Voilà. Alors, plus qu'on avance dans le jeu, au plus c'est un peu galère parce que. Comme on a un grade à monter, un niveau on va dire à monter, si on n'est pas bon sur le niveau, ben on n'est pas bon. Donc là il faut que je sois 44 pour pouvoir encore débloquer une licence, mais après il faudra que je monte 56. Donc il faut à tout prix que j'ouvre le magasin plusieurs fois pour vraiment pouvoir avoir une licence. Il me manque ce sucre là. Okay. J'ai vu qu'aussi il me manquait là des œufs. Et il me manquait aussi là. Ouais, ok, d'accord. Déjà, on va aller chercher les œufs. Les œufs là, 1, 2, voilà. Il me manquait ici quoi, les glaces. Glaces, les... Là, 1, 2, et ça, les petits 1, 2. Voilà, donc on a 8. 8, et là-bas, c'était quoi de la viande? Ça, donc on va pouvoir en faire 10. 2 pour faire 10. Voilà. Let's go. Donc là, on va pouvoir, hop, comme par hasard, ça tombe de l'autre côté, bien sûr, quand on le dit. On va tout jeter à l'intérieur. Et une fois que j'ai fini ça, allez, on va réouvrir un magasin tout de suite. Donc là, le problème, c'est que pour réagrandir le magasin la prochaine fois, il faut 11 000. En moyenne, je vais tourner dans les 10-15 000. Donc il faut plus d'argent pour pouvoir continuer à agrandir le magasin. Donc il faut que je l'ouvre. Hein, hop. Il y a certains épisodes, j'en avais même pas fait encore de trucs. Alors ça, c'était la pizza, donc j'aurais pas dû la prendre. Là, c'est le sucre qui va là. Le sucre qui va là. Ça, c'est les deux. Ça, ça va ici. Ça, ça va là en haut. Pareil. Les glaces. Ah. Et ça. Voilà, donc là, les pommes de terre et tout, on a de l'alcool. Bon, allez, on va réouvrir maintenant. Hop, c'est parti. On va allumer la lumière pour être sûr. Alors, je peux passer directement là. Là, j'ai écarté un petit peu les caisses. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où on ne pouvait pas passer. Il fallait que je saute sur la caisse. Bon, ça fait pas trop. Hein. Donc là, maintenant, je peux passer entre les caisses. c'est largement mieux. Là, il va me manquer quoi aussi? Du pain. J'ai vu du pain et les chips, non, il y en a là. Il me faut du pain. Au minimum, il me faut 2 pains là. Quasi tout ça. Là. Là, nos premiers clients qui vont arriver. Par contre, là, il y a une erreur. Pourquoi lui va là? C'est ça. Il faudrait que je rachète 2 comme ça là. Ça, 2 comme ça. Obligatoirement, c'est des grands cartons. Et j'en ai besoin. Là, toi, tu vas là. On va aller là. Et lui, il va là aussi. Voilà. Ça, ça va aller ici. Donc, je peux le mettre là. Je fais correctement. Bien, bien. De temps en temps, ça fait ça, c'est chiant. Et à un moment, on va le bouger, il va le mettre. Je peux pas le poser. Quand... Il y a un bug, non ? Ouais, on va faire ça. Ah, comme ça va partir. Hop. Pas trop pourquoi ça m'a fait. Et on est bon. Donc là, je peux ouvrir la caisse. Comme ça, on pourra faire un peu de caisse. On va regarder au niveau des produits que je vais devoir racheter. Pareil, la sauce piquante. Il manque 2. Ah. Il n'y a pas quelqu'un à ma caisse hein. Alors. La sauce piquante et un petit peu plus haut, celle-ci. Voilà. Euh, 95. Là aussi, moi. C'est des lasagnes. Là. 500 balles pour les 2 cartons. Pas donné ces produits. Alors je sais que je vends plus cher, donc c'est mieux, mais 500 balles pour 2 cartons. Voilà, 50. 3. Ça c'était le lait. La bière aussi qui, va qui a bien descendu. Ça. Hein. Voilà, c'est bon. Allez, on va. Yes. Alors. monter. Voilà. Donc là ça va, en plus ça part un peu plus vite. On voit qu'il commence à faire nuit. Et j'arrive à faire partir les clients plus rapidement. Après je vérifie par rapport aux étagères par contre. Et je sais même pas où je vais savoir mettre toutes les licences. Il va falloir trouver une stratégie pour pouvoir mettre les étagères correctement. Parce que là je peux pas agrandir ça. Je peux vraiment pas agrandir. Les étagères de stockage, on ne peut pas les mettre dans le magasin. « 44, 11 000. » Là, ce que je vais faire... Bon, non. C'est la caisse ouverte. Il faudra peut-être que je ferme ma caisse dans la journée d'après. Comme ça, je vais ouvrir et moi, je vais refaire du stock. Ok. Ah, c'est trop. Alors là, c'est bon, il est 9 h. Ah, bien vidé, hein. Il n'y a plus de pâtes. Il va falloir que je remets... Le problème, c'est que j'ai peur de rouvrir le magasin tout de suite et qu'après, j'ai plus rien. Alors, 50... Le problème c'est que même si je prends un 4e gars pour mettre en stock, ben, si j'arrive pas à remplir assez vite mon stockage, ça sert à rien. C'est la même chose. Là c'est facile, il suffit d'acheter 3 étagères et je peux débloquer un qui va remettre en stock, mais ça va me poser problème, ça se vide trop vite. Bon bah je pense que là, un seul client, on va pas aller à ma caisse. Pareil, voilà au fond. Là je peux la fermer. Jour suivant. Et on va garder. Donc là il va falloir que je regarde les pâtes. Ouais. Pâtes j'en ai. La farine bleue j'en ai. Kellogg's. Je remets de l'eau. Enfin je remets du café. Là les pâtes pareil, celle-là elle part très vite. Il faudra que je remets des bonbons, du riz. Et du produit à vitre, il me faut de l'orange, il y aura pas mal d'aller-retour. On met du javel, ouais. On va remplir le stock, de toute façon dans tous les cas, on a de l'argent. C'est pour ça, c'est dommage que ça ne dispatche pas en réalité, au niveau des personnes, ils restent bloqués sur la caisse et ne vont pas dispatcher. C'est dommage. C'est-à-dire même si des fois j'aurais laissé ma caisse ouverte, sur tes mecs qui vont priorité à moi. Là, moi je peux les faire plus rapidement et après... Genre... Dernier client, à 13 000. Donc là le problème c'est que là pour agrandir le magasin il me faut 11 000. Pour la prochaine licence il me faut 5 006. table, mais après il me faut niveau 56 pour pouvoir continuer à racheter 3 licences. Là je suis qu'au niveau 44. Alors 114 000, 60 millions. Je pense que c'est agrandir le magasin. Alors la bière blonde elle a augmenté. Je pense que c'est en agrandissant le magasin qu'on a plus de clients. La bière blonde, c'est ça? Celle-ci, hein? En bière, non? Ah non, c'est peut-être les petites bières, elles sont là. C'est celle-ci là. Ah, c'est ça. Voilà, donc là on est bon. La caisse elle est fermée. J'ai quand même racheté quelques trucs et on va. Par exemple, des pâtes, je sais que j'en ai quasi plus. Allez, hop. Un. La farine bleue, 2. Ça, il m'en faut. Je vais prendre un lait, un chocolat-pique. Là, pour cette étagère. Café. Allez, et on va le placer. Encore quand c'est au bord, ça va parce que je jette et puis c'est bon, mais vraiment quand on est dans le fond, là c'est un peu plus. Là, hop. Hop. Voilà. Les pâtes, il y en a déjà plus. Je vais racheter des pâtes. Déjà parti. À savoir que j'ai deux racles. J'ai deux racles, donc les pâtes, elles partent très très vite. Le pain. On va racheter un seul. On a... Je pense qu'il est parti avec. Il va revenir. Oh. Bon, bah, on va acheter un. C'est quoi là en bas? J'avais pas acheté un Kellogg's. Là, il avait déjà embarqué un Kellogg's. Okay. Alors là, on avait dit qu'il fallait quoi? Spaghetti. 2, 4. Je vais prendre 4, je vais en mettre 2 devant. Ça. Il faut des bonbons. 1, 2. Ok, et là en bas c'est le riz. Pour cet étagère. Alors on y va. Hop. Hop. Ah, super vite. Hein. Qu'ils sont en train de prendre, il prend à fond. J'essaie de remplir les étagères le plus rapidement possible. Normalement, j'ai l'impression que je prends, je mets, et... hop, ça part direct. Il faudrait faire une étagère complète pour être tranquille. Donc là, je vais vérifier. Normalement, ils prennent plus ici. Alors là, on avait dit qu'il fallait quoi? 2 jus d'orange, 1 jus de pomme. Oh, ok, un lave-vaisselle. D'orange, 2, 1 jus de pomme. Deux comme ça et un là. Au moins. Je savais très bien que j'en ai. Alors, toi. Là. Attaché. Ah, voilà. Ok, bon, ben on va pouvoir continuer, hein, mais... continuer à acheter. Alors, il me faut 2, 4, 5, 6 javels. Je vais prendre 6 javels et je vais prendre 4 pavillons. Ils sont énormes, très grands, c'est tout. 4 devant la porte, ça fait. Et voilà. Hop. Passer devant la porte, il va. Allez. Papier toilette. Voilà, donc là on est bon. Alors maintenant il faut du thon, shampoing. Alors thon et shampoing. Ah non, pourquoi j'en ai pris 8, c'est ici. Et ouais, c'est 6 sur l'étage. Deux devant. Allez, let's go. Donc là, il faut que je les jette un peu plus loin. Voilà. Les Kellogg's, il m'en faut 2. Il faut ça. Il faut que je me dépêche d'en en mettre parce que... chercher direct, c'est à dire qu'il m'en manque. Au tout début j'avais tout mis devant les portes, il n'y avait pas de stockage en fait. J'ai tout mis devant les portes. Voilà. Ok, donc là j'ai... Ah non, je vais dire j'en ai... Voilà, donc là j'ai ce qu'il faut. Non, il me manque les deux en bas. Donc je sais que c'est ça. 1, 2, 1, 2. Ça aurait été bien d'avoir un système de diable avec la possibilité de mettre, je sais pas moi, par exemple 6 colis et 6 colis que je peux mettre là-dedans. Comme un petit diable. C'est très bien, toi. Même quitte à le faire nous-mêmes, c'est pas gênant, mais au moins avoir un petit diable. Là, je vais ouvrir ma caisse parce que... il manque des croquettes, des coquillettes. Bah. Coquillettes, il n'y en a plus. Bah ouais, ils étaient là. Là, il manque des... il va manquer des sous. En sushi. 1, 2, hop. Je vais aller les mettre tout de suite parce que ça va me manquer. Hop. C'est pour ça quand on ouvre le magasin 2 fois d'affilée sans faire le plein, c'est un peu chiant. Vous voyez, là, comme là, il va me manquer des produits aussi. Il manque des produits là, le truc blanc. Pourquoi il m'a mis ça là déjà? T'as rien à faire ça. Toi, t'as placé là, donc là. Toi, moi j'ai là. Chercher. Toi, tu vas. Hop. Voilà. Alors on va essayer de faire passer les clients vite fait. Même pas allumer la lumière du magasin je pense. 2,37. Je sais pas si ça a un impact sur les clients par contre. Voilà. C'était parti pour... je m'en fous. Ouais. Ici confirmé. Hein. Ah, c'était les nouveaux produits que je devais acheter. Papier toilette. Les nouveaux produits, non. 1, 2, 2, 2. Papier toilette. Il... alors, le... oh, il est plein, j'en ai. Ah, j'arrive. Désolé si je... oh. Voilà. Bon là je peux plus acheter. Oh. Ah, oui. Je crois que j'ai jamais dépassé les 200 la carte. Là c'est bon, il reste qu'il n'y a plus de clientes. Par contre, j'ai pas mal de bazar qui s'est vidé, donc il va falloir que je... bah, que ça réapprovisionne à fur et à mesure. Là, j'ai de la place, hein. J'ai du stock pour réapprovisionner. Le café rouge, par exemple, comme là, j'en ai plus, par contre, j'en ai. C'est juste que, voilà, ils sont à... les pauvres, ils sont à 3, ils galèrent. Si j'en mets un 4e, ça risquerait d'être... ça va se vider beaucoup plus vite. Donc, on verra bien. Ah, par contre, c'est pareil, hein, ça fait très vite. Dans un carton. Ouais, il y en a 6, je crois. Là, de toute façon, quoi. Ah, ouais. Avec 2 dés, tu vois. J'essaie de mettre ce que j'ai devant. Là, bah, après, il y a des objets que je vends beaucoup, il y a des objets que je vends pas. Après, il y a un moment, ça va être l'inverse. Je peux en vendre beaucoup de... Comme les sushis, il y a un moment, j'en vendais plus. Là, j'en vends énormément. Pareil, ça, j'en vendais pas beaucoup, maintenant j'en vends beaucoup. Ça dépend. Moi, ce que j'avais fait la dernière fois, c'est que quand c'était des petits cartons comme ça, j'ai acheté directement par 6. Ah, quand j'achète par 2 ou par 3, ça va pas. Et faut vraiment en acheter par 6 quand ils sont petits comme ça. Quand ils sont grands, on peut pas, mais quand ils sont petits. Ouais, c'est terminé. Ah bah ouais, bien sûr. En train de chercher. 61 clients avec 4 produits non trouvés, bien sûr. Alors, les Saint-Jacques, le soda, bâtonnet de crabe, lait. Bâtonnet de crabe, il est là. Saint-Jacques, c'est ça. Saint-Jacques, ça doit être quelque part. Pas ça. C'est là, Saint-Jacques. Ok, le lait. Alors, le lait, j'en ai 2 différents. 3,38. Hein. Et le soda. Alors, le soda, regardez, c'est pas celui-là. C'est là. Voilà, donc là, on est bon. De ce côté-là, on est bon. Alors, on va refaire un petit topo ou on relance là. Pareil, dès qu'il est là. Qu'on restocke ou pas, c'est ça le problème. Alors, je vais essayer de rouvrir un magasin. Allez. On va voir. On prend des trous. Et donc on repart sur le premier étagère. Alors là, je vais en prendre 2. Là, je vais en prendre 2 huiles. 2 huiles. Ça. Sucre 1. Pâte 1. Et en haut, l'eau 1. Là, ils m'ont... Voilà, donc normalement là, je devrais avoir assez pour faire l'étagère complète. Voilà. Ah oui, c'est passé. Voilà. Et là, on va refaire. Hop. 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 Pâte. Sucre. Pâte. Pain. Et ah bah non. Pain. Oh, c'est l'eau. Voilà. Voilà. 36. Pour le moment, je prends ma caisse. Ma caisse reste ouverte. Là, cette étagère-là est bien pleine. Si les pâtes, non. Là, c'est plein. Là, il me faut des œufs. 5. 5 comme ça. Bien. Voilà. On va y mettre. Voilà. Chocolat 1, c'est bon. D'olive. Là, le thé. Voilà. J'ai de remplir le chocolat, il m'en faut 3. Donc toi les yaourts, tu en vends pas beaucoup. Là par contre, il faut sûr. Non, si c'est beaucoup des grands. Ah bah c'est des petits trucs, là je vais en mettre. Là c'est bon. Acheter. Par beaucoup trop vite. On va le faire tout de suite. Oh, non. Toi tu vas là. Là il m'en faudrait encore. Et voilà. Donc là c'est bon, là on est plein, là on est plein, là on est plein. Là il me faut du produit de la vaisselle, il m'en faut 2. De la vaisselle. Caisse. J'aurai ma caisse pour voir s'il n'y a pas besoin. Voilà, ça c'est bien vidé. Là, ça... Regarde au niveau des sauces. Pareil, ça je vais les acheter par 6 direct. Là, ici j'ai acheté ce que j'avais besoin. Les pizzas sont. Non. Là, il faut du parmesan. Et franchement, c'est vrai que ça aurait été quand même mieux d'avoir un petit jab. Genre un truc où on pourrait mettre 5-6 produits dessus facile. Ça éviterait de faire beaucoup d'allers-retours comme ça pour rien. Normalement, c'est beaucoup d'allers-retours. Ah, pris un plus, non. À moins que j'en ai posé un. Et il a déjà pris. Alors, on va aller voir à la caisse. Hein. Ok, 54. Ah, là, les frigos se vident bien. Wow. Enfin, je regarde au niveau du beurre et tout. J'ai vu. Ah, par contre, du beurre, il y en a là. C'est un autre truc. Pas de s'en battre. Pourtant, du beurre, mais ouais, mais. Il y a tellement de trucs à faire dans le magasin que... Oh, ils arrivent plus. Café. On va attendre pour voir. Puis après, bah pour la prochaine vidéo, je vais faire un réapprovisionner à fond. Parce que... Il me manque. J'ai passé niveau 45, papier toilette. Donc c'est le cas des papiers qui manquent. Ouais, c'est sûr. 8, il faudrait une étagère rien que pour ce papier toilette. J'ai l'impression qu'ils achètent maintenant plus le papier toilette vert, celui-là, le vert là, plutôt que le blanc. Pas de problème. Là, le problème, c'est qu'à partir d'une certaine heure, on peut plus commander. Là, je pourrais commander, genre laisser la soirée commander. Ben non, à partir de 21h, je peux plus commander. J'attends que la soirée. C'est tout. J'ai essayé d'acheter en gros. Hein. On va bientôt avoir les 20 000. 20 000, jamais fait. Il n'y a pas de chips. Ah ouais, quand vous ouvrez le magasin trop rapidement, trop d'affilée, il y a vraiment des manques. Ah, on a réussi à passer les 20 000. Donc, savoir qu'un agrandissement, c'est 11 000. Pourquoi il y a un problème? Ah oui, j'allais dire merde. Le problème, j'ai eu moins un point. Ouais, c'est parce que là, sûrement sur cette session-là, on va avoir beaucoup de produits manquants. Allez, dernière cliente. La nouvelle étagère, elle est vide. Bientôt. Voilà. Alors, 13 produits voilà. Nettoyant, ketchup et galettes de jambon. Ketchup. Ah, ça me l'a enlevé. Nettoyant, on dit, et prêt pour fromage. Bon. J'achète un ketchup mini. Et... ketchup en eau. Je vais le mettre moi-même comme ça. Alors, ketchup il va. Et oh. Là, il y a 2, 4, L. Il y avait quoi bon. Alors, je... ça j'ai changé. Ah, c'est... ah. Le problème c'est qu'il est là, par ici. Ah là, ouais. 9-15. Voilà, donc là j'ai modifié les 3 produits. J'ai payé vite fait mes factures parce que je pense que ça fait 2 jours que je les ai pas payées. Facture même 3 jours. Voilà. Et donc là, ben, on va tout réapprovisionner. Donc, je vais pas le faire en vidéo. C'est quand même assez long. Je vais racheter tous les produits. On va essayer de remettre le magasin opérationnel pour la prochaine vidéo. Sur la prochaine vidéo, ben, on verra bien si j'ai encore assez d'argent. On essaiera d'agrandir le magasin. Mais c'est quand même 11 000. Donc, à savoir que je gagne pas des millions par jour. Donc 11 000, c'est quand même un très gros budget. Déjà, quand je fais une licence, c'est 5 600. on sent que c'est déjà un peu galère. Donc si 11 000, il va falloir faire vraiment attention. Donc voilà, là je vais arrêter la vidéo là, on continuera sur la vidéo numéro 37. Et à fur et à mesure, on va essayer de voir si on sait agrandir le magasin au maximum. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, laissez des commentaires, partagez, petit pouce bleu. Je vous dis ciao, ciao. C'était Jérôme FPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là, donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc si vous aimez cette chaîne, vous aurez 2 vidéos à votre disponibilité, soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche, mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément et il y a beaucoup de vidéos, donc n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie, bonne journée.